Dans la fraternité, je crois que vous avez la paix du cœur. Pour cela, à Abobo, il y a plus de 300 naissances par jour ici à Abobo. Donc, pour vous dire que vous avez accueilli toutes ces populations sur le plan fraternel. Et le ministre, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est bien Madame la ministre qui va donner la quintessence du message. Elle est la collaboratrice du Premier ministre, du Président de la République. Elle honore non seulement Abobo pour tout son travail qu'elle fait à la tête du département qu'elle dirige. Grâce à elle, aujourd'hui, notre système éducatif est dynamique et performant. Il y a des trucs quand la tête est là, mais je ne porte pas les chapeaux. Donc pour cela, je voudrais réitérer nos sincères salutations à nos parents, à Jean. Je vous remercie. C'était un soir. Il était 22h43. Ce mardi 12 janvier, mon téléphone sonne. Je vois un numéro sans nom, c'est-à-dire que ce numéro n'est pas dans mon répertoire. C'est vous, monsieur Aké Bernard? Je dis oui. C'est moi, Madame Kandia Camara. Je dis quel honneur pour moi que Madame Kandia Camara m'appelle à cette heure-là. Oui, monsieur Aké, est-ce que je peux vous tutoyer? Il dit oui, madame. L'amitié est créée dès ce jour-là à 22h43. Je vous appelle, non, je t'appelle parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es la liste RHDP pour les législatives de 2021 à Abobo. Je voudrais en votre nom, vous mes frères et sœurs, vous tous, vous toutes, dire merci à Mme Kandia, dire merci aux dirigeants du RHDP, dire merci au président du RHDP, son excellence Alassane Ouattara. Hey!
Mais on sait. Mais on vient. Envoyé par deux personnalités que vous connaissez très bien. La première personnalité, c'est son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et président de notre parti, le RHDP. C'est lui qui nous envoie en mission ici aujourd'hui pour venir vous rencontrer. La deuxième personnalité, c'est celui-là même que vous avez bien voulu installer à la tête de votre commune, la commune d'Abobo. J'ai nommé le maire, son Excellence M. Ahmed Bakayoko. Grâce à votre hospitalité, le vivre ensemble est une réalité ici à Abobo. Grâce à votre hospitalité, à votre compréhension, Abobo est la ville de la solidarité, Abobo est la commune du vivre ensemble, la commune de la cohésion, où règne la cohésion, où se vit la cohésion, où la cohésion est une réalité. Le maire me charge de vous dire infiniment merci. Merci à vous les chefs, merci aux différentes notabilités, merci aux femmes, merci aux jeunes, merci au peuple à Tchad. Oui, nous pouvons dire que nous aurons les relations qu'il faut pour vous apporter ce dont vous avez besoin, parce que nous sommes envoyés par celui-là même qui est le chef du gouvernement, son Excellence le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et surtout que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a été envoyé ici par le président de la République pour être maire de la commune, mais surtout pour mettre en œuvre un programme spécial défini par le président de la République pour développer Abobo et améliorer les conditions de vie de nos parents, de nos populations d'Abobo. C'est la raison pour laquelle il est important d'envoyer à l'Assemblée des hommes et des femmes qui pourront aller défendre vos causes, qui pourront aller se battre pour vous, qui pourront aller faire en sorte que des lois soient votées dans votre intérêt, dans l'intérêt des hommes, dans l'intérêt des femmes, dans l'intérêt des chefs, dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt des jeunes. Donc, chers parents, nous venons nous confier à vous. Le président nous confie à vous-même, le Premier ministre, le maire, vous confie ses représentants sur la liste et ces deux personnalités voudront compter sur vous, voudront pouvoir compter sur vous pour faire en sorte que vraiment au soir du 6 mars, que ce soit les 12 représentants du RHDP, vos enfants qui soient élus. Mais tout cela dans la paix, dans la fraternité et dans la cohésion. Je vous remercie.